Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de En Mode Life. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de course. J'y suis allée parce que j'avais de l'argent sur ma cagnotte Carrefour. Et apparemment il faut l'utiliser avant le 31 décembre. Et puis en même temps je me suis acheté des trucs pour Noël aussi. Donc tant mieux. Alors je vais vous commencer d'abord. Mon chat qui arrive forcément, il vous fait le boucan en arrière-plan. Je vais faire d'abord tout ce qui est congelé. Je le mets, hein, vous savez, je le mets dans mon frigo. Et puis après, on passe à la suite. Comme ça, au moins, ça évite que j'ai acheté tout ça pour que ça périsse. Alors, dans mon beau sac Picard. Alors, première fois de ma vie que j'achète des nuggets surgelés. Mais je sais pas pourquoi, ça me donnait envie. Peut-être achat un peu d'impulsion à la fin. Je me suis dit, ah, il manque un peu de viande, un peu de trucs. Ça fait toujours plaisir au congélo. Donc, des nuggets de poulet, voilà, de maître coq. Je ne sais pas s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. On verra bien. J'ai un peu craqué mon slip aussi parce que j'en ai marre de me payer toujours des trucs. Faire attention au budget, nanana. Je me suis dit, c'est fin d'année. Excusez-moi. Il y a la cagnotte, on va se faire un peu plaisir. Donc, j'ai pris ceci. C'était en promotion. Des queues de gambas, voilà. J'en ai pris deux paquets. Ça. J'ai pris, ça c'est la base, il n'y avait pas, moi j'étais venue aussi pour la promotion des steaks, enfin vous savez, de la viande hachée 5% en barquette qui était à 4,90, dévalisée. Genre il n'y avait plus rien, enfin de toute façon j'avais l'impression que dans mon Carrefour il n'y avait plus rien quoi, c'était la débandade. Donc j'en ai pris des congelés et j'ai mis 20 ans à les trouver, parce qu'apparemment personne ne consomme des 5% de matière grasse, puisqu'ils les ont mis tout en haut, tout au fond, j'ai dû monter sur toutes les étagères pour réussir à les récupérer. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ça, c'est 5,90 les quatre. Moi, j'ai trop la flemme de couper mes oignons, donc je les prends comme ceci. Tout simplement. Ça va plus vite. J'ai pris des frites. Et alors ça, ça fait... Oula, ça date de quand était l'appartement que j'en avais acheté. Sinon, ça fait un bon moment que j'en ai pas acheté. Je me suis dit, avec les nuggets, ça peut être sympa. Ça fait un petit repas. Les McKen, elles sont super bonnes. Je prends que celles-là. Des courgettes, voilà. Il me reste encore des légumes, mais il me manquait des courgettes et j'ai pas pris un autre paquet d'un autre truc. Bah, je pensais avoir pris des haricots, bah non. Et j'ai pris ça, il n'y avait pas le prix ni rien et ça vaut hyper cher en fait. Donc je suis pas sûre que je reprendrai une autre fois, hein, je vous avoue. 7,90€. Voilà, ça fait un peu mal. J'aurais dû rester sur les queues de gambas sauvages, elles étaient moins chères en promo. Mais bah, écoutez. Je me suis lancée là-dessus. Pour le congeler, c'est tout. Je vous reviens. C'est tout bon. J'ai dû batailler parce que en fait, je n'avais pas pensé, mais j'ai encore beaucoup de choses en fait au congélo. Donc j'ai sorti tout ceci, qui sont les restes des légumes. Hein, que je vais me faire ce midi, sinon il n'y avait pas de place. Et voilà. Hop, avec des nuggets, et mon copain mangera avec les frites. Allez, on continue. Alors du coup, moi je mange beaucoup des trucs comme ça sur le pouce, blanc de poulet, puis j'essaye de reprendre un peu mon rééquilibrage alimentaire. Parce que bah, tout ce que j'avais perdu au premier confinement, bah, apparemment je l'ai repris au deuxième. Hein, voilà, voilà, voilà. Donc, je ne mangerai pas de frites. Blanc de poulet, voilà, 6 tranches, c'est le moins cher en général que je trouve à Carrefour, ça va, il fait l'affaire. J'ai pris ça, c'était en promotion. Ça revenait à 5,90€ ou 6€ le kilo et c'est vraiment pas cher pour du jambon parce que d'habitude on est plus minimum à 12€. Donc j'ai pris ces deux là, j'ai même pas regardé la date. J'aurais peut-être dû regarder, c'est jusqu'au 24-12. Et ben on va s'en faire du croque-monsieur, du machin, faut les crémer le jambon. J'ai pris, bah, comme la dernière fois, dévalisé, il restait plus qu'un seul. Et bah, j'ai pris le seul, voilà. Donc le seul amigo qui a été rescapé, voilà, bah, il est avec moi. Et j'y étais allée aussi parce que j'avais vu qu'il y avait une promotion à acheter le deuxième à moins 60 et ça m'avait pas l'air mauvais. Je pense qu'après ça, une fois que la promo elle est terminée, ça doit coûter une bonne blinde, le truc que tu rachètes jamais. Mais bon, là je me suis dit, bon allez, promotion, j'ai pris, on va goûter. Écoutez, il y a marqué sans additifs, sans machin, plop plop, on verra si c'est meilleur que les autres ou si ça a le même goût. Hop, je passe au suivant. Pour Noël, j'ai pris ça. C'était 9,99€ pour 10 tranches, voilà.
C'est valable jusqu'au 2 janvier, donc ça fera bien l'affaire. Et j'ai oublié qu'il m'en fallait un deuxième, j'en ai pris qu'un seul. Mais moi, franchement, faut... il y a des abonnés, ils m'ont dit prends une liste, mais je m'entête, je ne prends pas de liste. Voilà. Et donc, je la fais dans ma tête, et puis j'oublie la moitié des choses. Oh là là. Alors, du pain. J'en ai congelé un d'ailleurs que j'ai tranché, j'ai congelé si jamais un jour je suis en rade. La piémontaise, ça c'est la base. Des œufs élevés en plein air, toujours. Hein. Je prends toujours ceux élevés en plein air. Des knacks. Voilà, c'était en promotion. Moi, j'ai, en fait, comme je vous dis toujours, je suis très opportuniste. Hein, donc la marque, je m'en fous. Je sais pas si c'est meilleur, si c'est moins bon, mais c'était en promo. Donc j'ai pris, tout simplement. Donc là, c'est Madrange. Des fois, ils font des bonnes promos, Madrange. Hein. Des fois. Parce que quand c'est hors promo et tout, ça fait mal au cul. J'ai pris ceci, là, qui est en promotion. Donc, c'est des. Ça, c'est quoi? C'est steak de cheval. Faux filet de cheval. Voilà. Date courte. Hein. Là, il va falloir pour les manches parce que j'ai plus trop de place en fait dans le chez nous. Donc, je pense que c'est bon. Jusqu'à quand? 15-12. On va en manger ce soir. Hein. Ou ce midi, même ce midi, je pense. Parce que sinon, bah, je vais les perdre. Donc, je les ai tous pris. Je sais pas pourquoi. C'était vraiment pas cher. Donc, je les ai tous pris, donc ça m'en fait 4, donc ça m'en fait 8 morceaux, donc ça me fait 4 repas. Voilà, à peu près. Des lardons, moi je prends toujours les premiers prix. Ça, par contre, c'est un truc qui changera jamais, même si un jour je deviens pété de thunes. Ce qui n'est pas près d'arriver. Hein. Et bah, je prends ceux-là parce qu'en vrai, ils sont super bons. Enfin, je vois pas la différence avec les autres, vraiment. Et je commence à vous tutoyer. Quand vous commencez à regarder un peu les ingrédients, bon, franchement, ça passe. Hein. Bon, c'est juste que c'est pas du cochon français. Donc, je sais pas comment ça a été trop élevé. Mais le goût est le même. Donc, ça, c'est pour des quiches, pour des petits pois carottes. Si vous faites des carbos. Enfin, il y a plein de trucs qui se font avec ça. J'ai craqué, j'ai pris un petit reblochon. Voilà, un petit reblochon de Savoie. Il m'avait l'air super bon. Bon, le prix m'avait l'air un peu moins bon, mais bon. J'ai pris ceci, voilà, les Bornaux Chaner aussi. Il y avait 10%, voilà, plus 10% offert, nanana. Et puis, je sais plus, c'était un peu moins cher. Mais bon, bientôt, ils vont creuser, mais ils vont creuser jusqu'en haut, quoi. Regardez le trou que ça fait. C'est des fous, hein. Là, bientôt, on va en avoir que juste là. Ça va faire que ça. Mettez des plus petits packaging, hein, c'est bon, on s'en fout, on a compris. J'ai pris ceci pour le rééquilibrage alimentaire. Voilà, c'est des petits Suisses, je crois que c'est ça. Petit fromage frais, ouais, c'est comme les petits Suisses. Parce qu'il y a 9% de protéines dedans. Donc ça m'évitera de manger que des cochonneries. Cochonneries que j'ai achetées, mais pas pour moi. Il va falloir que je résiste. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En plus, ça a l'air super bon. Bon, j'ai repris ceci. C'était toujours en promotion. Donc bah, tant que c'est en promo, je les prends. C'est très très bon. Bon, je vois pas trop la différence avec le reste. Mais avec 50 centimes de réduction, ça vaut le coup. Donc j'en ai pris qu'un seul. Parce qu'après, moi, j'ai pas des tiroirs et tout. Déjà, là, ça rend plus à force. Ah, vous pouvez venir chez moi quand vous voulez. Hein. Vous n'avez pas manqué de nourriture. Hein. Dans la même lignée de... J'essaye de faire gaffe à ce que je mange. Et bah, j'ai pris des pâtes complètes. Bah, j'ai pris les 4 variétés qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autre chose. Donc, j'ai pris blé complet coquillettes. Je les avais déjà testées quand je faisais mon premier rééquilibrage alimentaire hein, qui a bien fonctionné. Que j'ai foutu en l'air avec des McDo, des crêpes au Nutella... L'alcool, voilà, je vous en passe. Hein. Les spaghettis. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, les penées. Les fusilli, il me semble que j'ai pris, ouais, c'est ça, fusilli. Donc maintenant, je suis bloc sur les pâtes complètes. Je pense que je vais rester là-dessus. Ça m'évitera d'avoir faim tout le temps. J'ai pris aussi ceci. Faut que j'arrête de dire... Voilà, une tonne de Savoie. Bon, nous, on n'est pas loin de la Savoie, donc en vrai, on pourrait en avoir moins cher. Mais avec le confinement, il y a quand même une heure pour y aller. On va rester chez nous. J'ai repris ceci. C'est du riz simple en sachet. Très bien, il ne me restait plus qu'une boîte, donc je reprends toujours une deuxième quand il en manque. Dans les légumes, j'ai repris, j'ai fini. Quand j'en finis un, j'en prends un. Petit pois carotte, voilà, très bon. Des lentilles, lentilles au chorizo, lentilles avec du lard, lentilles même à l'oignon et tout, c'est super bon. Donc j'ai pris 2 petites boîtes parce que, bon, vous comprenez que dans mon couple, il n'y a que moi qui mange des légumes. Hein. Bon, par contre, il n'y a que moi qui prends du poids. Ça, c'est quelque chose. Hein.
Il n'y a que moi qui grossis, pourtant je mange des légumes. Mais bon. J'ai pris la vache chérie aussi, pour tartiner de temps en temps, c'est pas mauvais. Alors on va arriver dans des conneries. Hein. Voilà. Ça, c'est pour mon copain. J'espère qu'il aime. Moi, j'adore ça, mais j'aurais peut-être pas dû en prendre pour moi, ça me donnait envie. Donc, des crêpes waouh tout simple. La dernière fois, il me dit, ah, il n'y a plus de filles là. Enfin, s'il restait quand même la moitié du pot d'un kilo, hein, donc il n'y en a plus, on est loin de plus en avoir. Donc, il y avait une promotion, c'était 3 euros les 600 grammes, donc je l'ai pris. Comment vous voulez que je réussisse à résister? Et il mange que de la merde, et moi à côté, je vois que des trucs comme ça, moi ça me donne envie de manger, forcément. Bah voilà. Voilà. J'ai pris 2 champagnes. Enfin, ça c'est. Je crois que c'est. Il était à 9 euros, il me semble, du coup, après en réduction. Il y en a un pour le 24 et un pour le 25. Enfin, pour le 26 au midi, puisqu'avec leur histoire de confinement, on peut plus fêter le 25 en famille, parce qu'autant vous dire qu'arriver à 19h, repartir à 20h. On n'aura même pas fini l'apéro, quoi. Donc, du coup, on le fait 26 à midi parce que j'ai pas envie de me prendre l'amende, je vous avoue. Donc, ça sera 26 à midi. Hop, le prochain. Voilà. Normalement, il y a une autre bouteille. J'espère que... J'ai pris ceci pour mon copain, des mini-gâteaux moelleux, chocolat. Ça fera bien l'affaire. Je suis allée aussi pour ça parce que, bah, les pasquets, il en mange beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc il y en a 2 paquets, là j'en repris, puis vous allez voir dans 2 semaines il va falloir que je retourne. Hein. J'aurais pu en prendre plus, mais le problème c'est que les dates de péremption, elles sont courtes quoi, donc on n'a pas le temps de tout manger, que c'est déjà périmé. Donc, j'ai pris ça, il y avait une promotion. Donc j'ai pris Oreo Golden, sachant que j'ai vécu un an à Vancouver, donc je les connais tous hein, les Oreo, mais il y a des trucs qui sont un peu nouveaux en France. Peanut, celles-là elles sont... délicieux, et puis double crème, voilà. Donc il y en avait, en gros, vous en prenez 3, il y en avait un qui était offert dans les 3. Donc ça dépanne toujours. Dans la lignée de très healthy, mais c'est pas pour moi, c'est les jeudis, comme je rentre tard le midi, donc j'ai pas le temps à faire à manger. Et ben il se fait une pizza, donc ça je prends toujours. Hop, ça c'est pour les apéros, parce qu'on va pouvoir refaire des apéros, jusqu'à 20h, mais on se rejoint à 16h, et puis voilà. J'ai mis un verre, voilà. Il y avait une boîte de Pringles, les deuxièmes à moins 60%. Ça, c'est bon, donc on prend toujours. Dans la lignée des promos, il y avait aussi ceci. Donc, vous en achetez 3. Il y en avait une offerte, en gros, de la moins chère. Donc, j'ai pris fleur de sel et j'ai pris 2 framboises, parce qu'on aime bien les framboises. Ça, avec un carreau, ça, je peux manger quand même. Même en équilibrage... J'ai pris de la crème parce que j'en avais plus du tout. Donc un acheté, le deuxième à moins 60. Je les ai pris, sinon ça coûtait une blinde, je les aurais jamais pris. Et en plus, il y avait un bon dessus à moins 30%. Je regarde la note s'ils m'ont compté, s'ils m'ont pas compté, je sais pas ce qu'ils ont fait. La deuxième bouteille, hein, de toujours champagne, Charles Lennert, grande réserve. Bref, je sais pas si elle est bonne ou si elle est pas bonne, mais il y avait du champagne à 30 euros, je vous avoue que ça faisait un peu mal au cucu. Et pour moi, toujours le classique pour mes matins... Parce que j'en ai plus là, enfin il doit me rester quoi 6 tranches. Donc 6 tranches, ça me fait 6 jours, puisque j'en mange plus qu'une le matin, à place d'en manger 2. Hop, j'ai même pas regardé les dates de péremption. J'aurais peut-être dû regarder. 31-12. Et on va en congeler. Pourquoi ils font des dates aussi proches? C'est pas possible quoi. Enfin... Hop, ça ira avec le jambon faire les croque monsieur. Attendez, j'ai pas fini. Hop. J'ai pris ceci, voilà, si les gens qui viennent, ou même pour nous, qui n'ont pas forcément envie de boire de l'alcool. Il y a ça, et puis la dernière fois, j'avais pris du coca. Et, c'est lourd. Voilà, de la LEF, il y en a 20, et c'est du 33 centilitres. Excusez-moi, je les ai pris parce qu'il y avait une promotion. Moi, je ne bois pas trop. Avant, j'adorais la bière, maintenant, j'en bois. J'en bois plus trop, mais Florian me demande toujours « Et la bière ?» Comme c'est hyper cher, d'habitude, j'en prends jamais. Hein. Mais bon, là, ça m'a coûté 10 euros, je crois. C'est quand même pas donné, mais bon. Du coup, ce voici, je l'ai pris pour lui faire plaisir. Et puis, il y a le nouvel an, même si on n'a pas le droit de se réunir avec des gens, et ben au moins, nous, on pourrait se boire une bière. Voilà, ça fera la fête. Voilà. J'en ai eu. Tenez-vous bien, parce que moi, quand elle m'a dit l'addition, j'ai failli tomber à la renverse. Surtout qu'à la base, en fait, j'étais venue
pour utiliser mon petit blond de 124 €. Donc je m'étais dit, ça va pas me revenir cher. J'en ai eu pour 200 €. Sachant qu'il y a des trucs, par exemple le champagne et l'eau saumon, c'est mon beau-père qui nous les, enfin qui l'offre parce que je fais les courses, je fais la nourriture, mais on va chez lui. Donc vous comprenez, on aurait mieux fait de faire chez nous, mais bon. Donc du coup, bah il y a 30 €, on va dire, qui en moins, donc 170 € non plus qui est pour nous. Et en fait, j'arrive à la caisse et elle me dit, ah mais vous avez pas un code pour votre carte? Sauf que moi, la carte, je l'ai toujours fait sur internet parce qu'à la base, je faisais du drive quand j'avais des horaires un peu compliqués. Et du coup, je dis, bah non, j'ai pas le code. Elle me dit, bah on peut pas compter pour vous, sachant qu'en plus, le bon, il est jusqu'au 31-12. Super. Il me reste 15 jours, je vais pas racheter encore la même quantité. À un moment, on n'est pas une famille de 25. Donc j'ai dû aller, voilà, je vous fais la true story, la real story. J'ai dû aller à l'accueil pour enfin faire ma carte qui est valide dans 24 heures avec un code nanana. Et du coup, je lui dis, mais on peut pas déduire du coup les 124 de toute mon addition, parce que j'étais venue pour ça à la base, tu vois. Parce qu'on aurait pu encore se nourrir pendant au moins une semaine, hein, tranquille. Hein. Et ben, elle me dit, bah non, pour la prochaine fois. Je lui dis, mais la prochaine fois, j'espère que c'est après le 31-12, parce que moi, je vais pas revenir dans 10 jours pour racheter la même chose. Elle me dit, non, comme votre cagnotte, elle est récente, ça, je lui dis, vous êtes sûr, hein, parce que je me retrouve pas le bête dans l'eau. Bah, apparemment, ça compte pour l'année prochaine aussi, donc tant mieux. Je lui ai fait répéter 3 fois, hein, parce que ça se trouve, elle va me dire, oui, c'est bon. Et puis le jour, on arrive, ah, bah mince, en fait, j'ai fait une erreur. Et moi, 124 € in the huc. Hein. Donc voilà, bah, je vais tout ranger. C'était tout pour moi. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes, puisque celle-ci sortira pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine. Donc, on sera dans la semaine de Noël et tout. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, la bonne santé. Cœur sur vous.